Le soldat porte dans sa giberne des cartouches en papier contenant la poudre et la balle. Il verse une partie de la charge dans le bassinet pour l'amorçage et introduit le reste dans le canon. La charge est tassée avec la baguette, qui est ensuite remise sur l'arme en prenant soin de ne pas laisser la main devant le canon au cas où le coup partirait. En pressant la queue de détente, on libère la noix qui pivote sous l'action du grand ressort. Le chien est alors violemment entraîné vers l'avant. Le silex qu'il porte percute la batterie, découvrant alors le bassinet et y projetant des étincelles qui enflamment la poudre d'amorce. Par un trou nommé lumière, la poudre d'amorce enflamme la charge propulsive contenue dans la chambre. L'explosion de la charge développe une grande quantité de gaz qui expulse la balle hors du canon. Les ratés restent fréquents. Ils sont d'autant plus gênants que les tirs, à l'entraînement comme au combat, s'effectuent le plus souvent en rang serré. Les soldats pratiquent ici le feu de deux rangs, où les deux premiers rangs tirent et le troisième recharge pour le second. Ces séances de tir, auxquelles l'empereur tenait tout particulièrement, permettent aussi d'habituer les recrues aux détonations, aux projections de poudre et à la fumée grasse, épaisse et étouffante, qui noie très vite la ligne de feu. Peloton, gardez-vous! Baïonnette, au canon! Le soldat ne s'entraîne pas seulement au tir. Les corps à corps sont souvent décisifs pour l'issue du combat, et la baïonnette fait aussi l'objet d'un maniement particulier. L'exécution rapide des ordres, la synchronisation des mouvements et, avant tout, la cohésion de la troupe seront essentielles sur le champ de bataille.